Son nom est Papa Joseph Diangenda Kuntima, né le 22 mars 1918 au village Kamba, au Bas-Congo, l'actuel Congo central. Fils de l'union de Papa Simon Kimbangu et de Maman Marie Mouilouka Wanganzitane. Il était marié à Maman Elisabeth Mvété le 22 mars 1943 et eut 7 enfants. Tout jeune, il assista à la relégation de son père à Elisabethville et celui de son frère aîné, Papa Charles Kisolokele à Boma, par l'administration belge. À l'âge de 15 ans, il fut à son tour relégué à Boma, où il fit ses études primaires et secondaires à la colonie scolaire de Boma. Il obtient son diplôme le 23 décembre 1943. Il fut engagé dans l'administration coloniale belge à Tchéla, puis fut muté successivement à Matadi le 9 octobre 1946, à Boma le 26 novembre 1946, à Léopoldville, l'actuel Kinshasa, le 19 mai 1947, à Luluabourg, l'actuel Kananga, le 16 septembre 1950, où il occupa le poste de secrétaire au cabinet du gouverneur Peigneux. Enfin, à Léopoldville, le 17 juillet 1952. Papa Diangenda est détenteur de plusieurs titres honorifiques de l'administration coloniale belge et de la République du Zaïre, tels que effort de guerre, services rendus et loyaux services, dévouement et médaille du mérite civique, commandeur de l'ordre royal de la couronne du royaume de Belgique, chevalier, officier, commandeur, grand officier et grand cordon de l'ordre national du léopard de la République du Zaïre. Arrivé le 20 mai 1959, Papa Diangenda Kuntima, intellectuel et social de l'homme, est créant des écoles conventionnées kimbanguistes, l'école de formation médicale, la faculté de théologie, des dispensaires, centre de santé et hôpital de l'église kimbanguiste, ainsi que de foyers sociaux. Il a fait connaître l'église et l'a fait adhérer au conseil œcuménique de l'église et à la conférence des églises de toute l'Afrique. Il a doté l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, des infrastructures de grande importance comme le temple de Matete, Matadi, Nkamba, Boko et Kimpanzu, des centres de développement communautaire de Lutendele, Kinkewa, Plateau des Bateke, Kunzulu, etc. Il a initié et organisé l'autofinancement de l'église par la collecte de fonds dite Tintin. Dès son vivant, il a toujours prôné pour l'amour, le commandement et le travail. Papa Diangenda Kuntima Joseph, bâtisseur de l'église kimbanguiste.